Bonjour à tous, on continue d'augmenter le rythme des vidéos YouTube et on revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Waven. Dans la dernière, on présentait le jeu et on donnait notre avis à chaud dessus. Aujourd'hui, une semaine de jeu plus tard et après avoir testé quelques trucs, on revient pour présenter une des classes qui m'a le plus emballé, l'Eneripsa Scalpel. On verra ensemble son talent, comment je joue avec mes deux builds et vous allez voir que le deuxième vaut vraiment le détour. On finira sur un bilan de la classe avec ses avantages et ses inconvénients. C'est parti! Pour une présentation globale de la classe, c'est très simple et très rapide. Lorsque vous êtes soigné, vous infligez 35% de votre attaque à l'ennemi ayant le plus de vie. On comprend très vite que le gameplay va donc s'orienter autour de deux points importants, l'attaque et le soin. Et ça tombe bien, on a justement un build pour chacun des cas. Avant de vous les présenter, je rappelle quelque chose de très important sur Waven. Sa force, c'est d'avoir une infinité de possibilités. Ce que je propose n'est pas forcément le plus optimal, mais c'est ce que j'aime jouer. N'hésitez pas à tester vous-même et à innover. On commence donc par le premier build, c'est un build feu-eau qui va s'orienter autour de l'attaque. Ici, on va jouer un des 15, notamment pour activer deux anneaux, le pignâtre et le rifique. Ce sont des anneaux communs, le premier va booster l'attaque et le second va déclencher du drain à chaque attaque, donc un soin, donc une attaque supplémentaire. On va rajouter l'anneau cicatrisor qui déclenche un vol de vie à chaque début de tour. Cela nous permettra de taper gratos une fois à chaque début de tour. Et enfin, on complète avec le duo d'items qui va être le plus important sur la classe, le brassard pluvieux qui va activer deux pluies à chaque attaque, et surtout l'anneau stromo qui va permettre aux pluies de voler de la vie. Une attaque permettra alors de déclencher deux soins qui déclencheront eux-mêmes deux attaques. Vous l'aurez compris, le principe de ce stuff c'est de maxer l'attaque pour taper, qui va nous permettre de nous soigner et qui nous permettra de retaper. Afin d'embellir le tout, on va prendre deux petits passifs supplémentaires, débloquables, je le rappelle, au niveau 15 et 30, puissance apostruqueur et soin apostruqueur. Ce premier nous permettra à chaque soin de taper l'ennemi qui a le moins de vie, en plus de celui qui a le plus de vie. Grâce à lui, un soin permet donc de taper deux fois. Le second permet de se mettre de l'armure à chaque soin, cela permet d'améliorer un petit peu le côté tanky en plus d'avoir une bonne régène. Mais surtout, ce passif permet aussi de déclencher le passif de classe pour chaque gain d'armure. Ainsi, si je résume, vous tapez, ça soigne, donc ça tape, donc ça met de l'armure, donc ça retape, et ça deux fois. Les aptitudes à côté, ben on va maxer l'attaque. On va prendre un petit peu de vita pour le côté tanky, et on s'occupe même pas du reste. Il y a soin rapide qui peut trouver sa place dans un build, puisqu'il soigne deux fois, donc ça fait 4 à 4 tout de même. Mais nous, on le prend pas. Pour les compagnons dans ce build, il n'y en a qu'un de particulièrement indispensable, c'est Shura. L'attaque soigne la cible si c'est un allié, ce qui fait proc le passif et donc ça crée des dégâts supplémentaires. Pour les autres, vous prenez un petit peu ce que vous aimez, pensez juste qu'en bi-élément, réussir à invoquer des compas qui ont 5-6 jauges pour être invoqués, c'est un petit peu plus compliqué. Donc perso, je suis parti sur la sentinelle affûtée pour ses aura griffes qui rajoute dommage, le synchronisateur minutieux pour son P en réserve qui peut être pratique, et enfin le gruffon pour une pioche quand on a une main de merde. Au niveau des spells, il en faut 15, donc vous prenez un petit peu tout ce qui soigne bien évidemment et vous complétez avec ce que vous voulez. On part sur du haut-feu pour deux raisons. Les voies hautaires n'ont pas de sort de soin, ou du moins, elles soignent quand on est aligné avec la... C'est galère, on s'en fiche, on passe à autre chose. La deuxième raison, c'est tout simplement parce qu'à bas niveau, on peut remplacer un des anneaux communs par l'anneau Strogoth. Ce dernier crée un geyser lorsqu'on alterne un sort haut et un sort feu. Le geyser va taper autour de nous, et surtout, lorsqu'il y a trois cibles dans la zone du geyser, ça déclenche un soin. Donc ça déclenche une attaque, vous avez compris à force. C'est plutôt intéressant à bas niveau car on a peu d'attaques et il n'y a pas encore tous les passifs. Donc les mobs ne meurent pas tout de suite et c'est facile à déclencher. À plus haut level, vous n'aurez pas le temps d'avoir trois mobs autour de vous, donc il perd un petit peu en intérêt. Dernier point avant la démo de ce build, certains me diront que la voie terre donne de l'armure et que ça peut être intéressant avec le deuxième passif. Effectivement. Je trouve juste dommage de se boost en armure et de taper une fois, là où un soin va taper, mettre de l'armure et retaper. Le seul cas où l'armure directe est utile, ça va être en cas de full life, pour quand même faire des dommages. Mais honnêtement, être full life, sauf si vous jouez en groupe, ça arrive rarement. C'est parti les amis pour la présentation du stuff feu haut. Il faut savoir que sur les Eneripsa, lorsque vous êtes full life, votre passif de soin ne se proc pas. De ce fait, ben, vous ne pouvez pas taper. Donc ce qu'on va chercher à faire dans un tour 1, généralement c'est soit d'avancer pour se faire taper, soit d'avoir des sorts dans sa main qui peut nous taper et faire de vol de vie en même temps. Il y en a quelques-uns qui existent, là malheureusement je n'en ai pas. Donc on va tout simplement poser un laboratoire de glace, vous allez comprendre pourquoi après, lorsque j'aurai pu faire une attaque. Donc on va s'avancer, se prendre des dégâts
et on revient au tour prochain. Maintenant qu'on a pris quelques dégâts, on va enfin pouvoir jouer. Déjà, le cicatrisor se proc, ce qui fait qu'on va faire un soin, donc on a fait 4 attaques, puisqu'il y a les 2 attaques du soin plus les 2 attaques de l'armure. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut tout simplement mettre un coup d'attaque. Une pluie va se déclencher, donc 2 attaques, donc de l'armure, donc 2 attaques, une pluie à nouveau, donc 2 attaques, donc de l'armure, donc 2 attaques, et maintenant c'est le drain qui se déclenche, donc 2 attaques, donc de l'armure, donc 2 attaques. Donc vous voyez qu'avec une attaque, j'ai fait 12 attaques au total. Le fait d'avoir notre petit laboratoire qui est posé, ça m'a fait proc dans ma main un sort à 2 PA qui soigne. On va pas se priver, hein, on va se le faire, ça va nous soigner, 2 attaques en plus, donc du soin, donc de l'armure, donc 2 attaques en plus. Le fait d'avoir utilisé le sort à 2 PA dans notre laboratoire de glace nous met en plus une aura autour de nous. Cette aura, lorsqu'on va se faire taper, va être consommée. Et une fois consommée, elle va nous soigner et redéclencher notre passif. Donc ce sort à 2 PA, au final, il ne déclenche pas 4 attaques, il en déclenche 8. C'est très très fort. Toujours du soin, donc on continue, on choisit une cible, hop, et on enchaîne. Et c'est ainsi que se joue cette Eneripsa à feu haut. Il faut se soigner et faire de l'attaque, rien de plus. Pour le deuxième stuff, c'est sensiblement différent. L'avantage, c'est qu'au niveau des aptitudes, on garde la même chose, rien ne change, même passif, même fonctionnement. C'est au niveau du gameplay que nous allons avoir du changement. On garde le combo Pluvieux Stromo pour générer du heal, toujours le Cicatrisor pour les dommages free en début de tour, mais on remplace les anneaux communs par deux infinités, le Friscouille et l'Orbe de Sang. Tout notre gameplay va reposer sur le Friscouille qui va déclencher des pluies sur tous les ennemis dès qu'on tue un ennemi avec un sort haut. Imaginez, vous faites un kill, il reste 5 mobs, 5 pluies, 5 vols de vie, 5 attaques, 5 armures, 5 re-attaques. Cela fait en tout 10 attaques pour un sort utilisé. L'orbe de sang est là pour profiter du drain quand on a le spell dans sa main. Cela fait 4 attaques de plus à chaque attaque. Il est aussi pratique car le spell orbe de sang qui fait des gros dégâts voit son coût en PA diminuer à chaque soin. Il est donc facile de lancer pour 0 PA et c'est gratuit. Au niveau des spells, on a un deck de 9 pour une rota plus facile, du full haut au vu des anneaux et surtout des trucs qui soignent mais qui tapent les gars, on tabasse là. Pour les compas, on change aussi, on garde Shura, c'est le sang. On garde la synchro pour le PA, ça peut dépanner, mais on rajoute surtout le compte à rebours et Echo. Cette dernière est là pour la beauté du jeu, on l'invoquera quasiment jamais, mais quand elle sera là, on aura du heal gratos à chaque attaque. Le compte lui va être votre meilleur ami. Une fois runé. En effet, il enlève 1 PA au coût de vos sorts hauts lorsqu'il est présent en jeu. Il enlève 1 PA supplémentaire à chaque attaque et il enlèvera 2 PA à l'apparition si un compagnon de la fratrie est équipé. D'où Echo. Il est donc facile de lancer des sorts à 0 PA si on le maintient en vie. Bien évidemment, sur ce stuff, c'est du quasi full infinité. Ça demande une certaine opti, un certain farm. Ça va coûter cher, être long, surtout qu'il faut runer les compas, mais aussi les anneaux et les spells. Comme on veut kill avec les sorts, ils doivent faire un maximum de dommages. Si on ne monte rien, on tapera du 8 et ça sera beaucoup plus dur de kill. On va donc chercher les runes 30% de dom sur les sorts, les runes 20% de dom au sort haut sur les anneaux, puis les runes attaque pour avoir un passif qui fait un petit peu plus mal. L'orbe de sang peut être remplacé par un océan pour qu'une pluie soit générée à chaque attaque d'un compagnon. Moi je l'aime pas trop mais bon vous pouvez. Vous pouvez mettre aussi un anneau L qui réduira peut-être le coût en PA de votre sort pioché, 50% de chance, on verra bien. Vous pouvez aussi le remplacer par l'anneau commun à l'hôpital qui va augmenter le soin et, si runé, donner du drain. On a encore l'anneau orbe d'eau pour le coup, j'ai pas du tout kiffé, on tue les mobs avant d'utiliser le spell orbe d'eau, donc j'ai trouvé ça naze. On a fait le tour du build, on voit ce que ça donne. On va maintenant présenter le stuff full haut. Contrairement au stuff de tout à l'heure, donc on ne va pas du tout maxer l'attaque, là on va essayer de tuer avec les sorts. Donc vous voyez qu'il lui reste 100 points de vie, il y a encore 4 mobs à côté, on va le tuer avec un sort. Le fait de le tuer, ça va déclencher notre passif. Le passif fait qu'il va y avoir des puits sur chaque mob. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 mobs. 5 mobs, c'est 5 pluies, c'est 5 vols de vie. 5 vols de vie, ça fait déjà 10 attaques, plus après les armures qui refont 2 attaques par armure, donc ça fait en tout 20 attaques, juste parce que là, j'ai utilisé un sort. Voilà un petit peu pour ces deux stuffs. Bien évidemment, le deuxième stuff est plus qualitatif de par ses items et son rox, mais il demande un certain investissement que le premier n'a pas. En feu haut, vous maxez l'attaque avec des anneaux tout pourris et on est parti pour un festival sans se prendre la tête, il faut juste taper, se soigner et le plus de fois passer par tour. En full haut, il faudra plus réfléchir, faire attention à quel sort lancer pour pas kill bêtement, il faudra impérativement kill avec un sort pour déclencher la régène, l'armure et les dégâts. L'avantage de ce perso, c'est qu'il est très fort sans avoir besoin de préparation particulière. Il va avoir du gros rox, que ce soit en brut avec le premier stuff ou sur le long terme avec le second.
Les points négatifs, c'est qu'en groupe, il va moins briller car il sera moins tapé, et donc souvent full life, pas de passif de proc. Quand il pourra taper, il y aura moins de cibles car les alliés vont en tuer, donc moins efficace. Et surtout, il est lent. Mais il est lent! Il y a tellement d'animations que vous avez le temps de vous faire un café entre chaque sort. Petite note de même pour les Nikokoro qui va briller avec le scalpel vu qu'il va soigner et mettre du shield en masse. Et voilà, on a fait le tour pour ce perso. J'espère que cela vous aura aidé à comprendre et à apprécier le gameplay de la classe. Je ne le dis jamais assez, mais n'oubliez pas, chaque classe est viable, jouez comme vous l'aimez, et n'hésitez pas à innover et à tester, c'est la force de Waven. Si vous voulez qu'on présente une prochaine classe en vidéo, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Si vous avez des questions, idem. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça soutient, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ou en stream. Ciao tout le monde!